Mesdames et messieurs, petits écrans, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. On était en train d'améliorer l'antre des merveilles de Buck et on attendait que soit le matin pour qu'il nous dise ce qu'il en pense. À votre avis, va-t-il être content? Eh bien, on va aller voir ça en jeu! Et voilà, donc comme je le disais, on est la nuit. Donc on va pouvoir gérer ça. Donc du coup, ce qu'il nous a donné comme quête, trouver Jérôme à Hummingberg. On a deux autres amis à trouver chez Bonconte et Compagnie et chez Hawksbury. C'est dommage, on était à Hawksbury la dernière fois. Faudrait qu'on fasse Lily au sanctuaire de Furugawa. Il faut qu'on voit aussi où est Overbrook. Et je pense que obtenir des potions d'expérience va être notre priorité. Et obtenir des fraises également. Donc normalement, on n'est pas très loin d'Hawksbury. Hawksbury, c'est tout là-bas. Hawksbury, c'est tout là-bas. Qu'est-ce qu'on a de plus proche? Ici, il y a un coffre rare qu'on n'a pas fait. Je te vois, coffre rare. On va y aller. Pendant qu'il fait nuit et que il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. On va récolter ces tomates. Je pense que je vais rien mettre. On a globalement plus besoin de rien. Et j'ai complètement oublié, pour la deuxième fois consécutive, d'aller voir sur le wiki pour les recettes qui nous manquent. Sachant que là, je sais qu'on est à 75% d'avancement du jeu, donc on commence à être sur la fin. Donc il va doucement falloir qu'on finisse, si on veut finir en tout cas. Parce que, je le répète, l'objectif de ce let's play n'est pas de faire un 100%, hein, sinon on serait pas rendu avec ma capacité à pêcher. Hein. Mais d'ailleurs, je me dis, est-ce que je peux pas faire genre un steak frites? Est-ce qu'on n'a pas ce genre de d'option? Genre, je mets un petit steak. Je mets des patates. Est-ce que notre cher ami Buck aimerait le steak frites? Ça pourrait être une idée. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un coffre au-dessus de nous. Effectivement, j'arrive pas à voir comment y accéder. Ah, si. Bon, on a dû le prendre, il clignote pas. Celui-là ne clignote pas, donc on a dû le prendre. On peut pas atterrir plus haut que ça. Salut mon ami! Et ici on peut juste parler à la personne. Et il n'y a pas de coffre rare. Ok. Mais je crois que je me souviens qu'il y avait un coffre rare qui était planqué et qu'on n'arrivait pas à y accéder tout simplement. De toute façon, on est encore la nuit, donc on y va. Celui-là aussi. Donc c'est pas des bleuets qu'on cherche, hein, c'est des fraises, il me semble. Donc il faudra qu'on passe un moment à un endroit où il y a des fraises. Mais des bleuets, c'est toujours ça le prix.
Et des bleuets ici également. En route vers une meilleure journée. Ami, connais-tu l'adresse de mon amie Marianne? Merci quand même. Bah oui, effectivement, je connais pas l'adresse de ton amie Marianne. Je peux monter là, il y a quelqu'un. D'accord alors. Ok. Et il y a un coffre tout en haut. Tout en haut. Tout en haut, ça veut dire qu'il faut arriver là. Donc tout en haut, ça veut dire qu'il faut arriver par là. Est-ce que je peux faire des choses par ici, monter? Ici, je peux monter, mais ça m'avance à strictement rien. Surtout que j'arrive pas à redescendre. Ici, je peux monter. Je peux monter ici, je peux monter là. Je peux sortir ici, ce qui m'avance énormément. Voilà. Donc, j'arrive ici. On va faire ça dans le bon sens. On arrive ici. On se met là. Et on récupère ce coffre qui nous manquait. Rien de très folichon. Mais au moins, c'est fait. L'objectif étant toujours d'aller, je ne sais plus où. Hummingberg, Boncompte et compagnie, Hawksbury. Faut qu'on regarde ce qui est le plus proche. Je vais sonner cette cloche et surtout on a notre ami Francis qui nous a rejoint. Je vais récupérer ma nourriture. Oh, ça fait un ragoût. Déception. Je m'attendais à un steak frites. Alors, comme toujours, c'est notre jour de chance. Il a une nouvelle course. Alors, on va vendre nos cochonneries. Déjà, on va vendre notre vase luxueux durement acquis. Notre bol de céramique. Donc on vend pas nos permis bovins. Hein. Pour l'instant, on va les garder. Les tapis, les souliers, on va en garder parce que on sait qu'on peut faire de la colle avec. Ici, j'ai des coquilles dont j'ai toujours pas trouvé l'intérêt. Donc je vais continuer à les vendre en gardant un petit peu et on va voir un peu ce qu'on peut faire. Le poisson, on n'en parle pas. La flamboyante, j'en ai pas beaucoup. Ça pourrait être ça. Minerai de pulsar et roche de comète pour avoir de l'améthyste et 2500 pièces. Allons-y. Il manque des poires. Dommage. Il manque du fil de laine. Je peux pas avoir ça là, les poires et le fil de laine. Seulement 3 poires. Et pour le fil de laine, on va pouvoir en faire un paquet. Ce qui est largement suffisant, un paquet. On descend plutôt. Du coup, on vend pas. On fait la course. Voilà. Pour le reste, ça le fera. Essayons de trouver une direction qui nous convient. Alors on a ici une caisse, des rives de flotsam avec plein de choses à faire. Et si je vais par là, est-ce que ça m'arrange? J'ai pas l'impression qu'il y ait forcément de ville qui m'arrange.
Mais je suis dans le coin. Et j'ai oublié de sélectionner, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, allons voir du coup notre ami Buck. Je vais gérer ici. J'ai des œufs à récupérer. C'est fait. Et Buck est tout en haut. Subsistance! Comment, je... Bon, tant pis, j'ai des collations, Stella. En veux-tu? Pas un fan de cette météo. Ma caisse! Descends, Stella, plus vite! Bon, en vrai, vu que j'ai pas sélectionné de destination pour la suite, ça va. Et en fait, je suis en train de me dire que j'ai tout simplement pas construit cette amélioration. J'ai dit que je fallait que je la fasse. Mais l'aurais-je faite? Je pense que oui. On va regarder. Amélioration. Oui, je les ai faites, les améliorations. Donc, il est effectivement pleinement amélioré, notre ami Buck. Il me semblait qu'il fallait qu'il nous dise merci, mais visiblement. Non. Ah, c'est 5 feuilles d'or rose, j'en ai pas fait assez ici. Et ici, il faudra du tissu de soie, il faudra un petit peu de choses partout. Overbrook, c'est un peu plus à l'est. Hummingberg, Boncompte et compagnie, Hawksbury, ouais, tout ça, c'est un peu plus loin. C'est vrai que là, du coup, je fais pas trop avancer l'histoire. Et j'ai même pas regardé s'il avait des graines à vendre, Francis. Donc c'est ça, on est sur cette espèce de zone chelou avec des conteneurs partout. Maintenant qu'on a ce pouvoir, on est déjà un peu plus avancé. Je peux pas ouvrir ici. Ok. Prends soin de toi! Ok, réellement je peux rien faire? Ok, donc réellement, je vois pas l'astuce. Ah si, c'est cette porte-là qui voulait pas s'ouvrir. Je me souvenais bien. Il y avait une astuce et on va se retrouver dans une zone avec plein de choses à miner de mémoire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas miné. Voilà, donc ici, il y a quelqu'un qui nous dit bonne journée. Et on est toujours la bienvenue. C'est parfait. Ici, il y a un plafond, hein, donc on va pas non plus trop y aller. Petit peu de cuivre, c'est cool. Si on arrive à l'attraper. Voilà, faut juste prendre son temps et trouver le bon timing.
zinc, c'est pas mal aussi. Il y a un coffre ici. Deux homards. Peut-être moyen de monter encore plus haut. Ouais, il y a moyen de monter encore plus haut. Ok, je vais y aller doucement quand même. Parce que du coup, j'ai pas fait là. Décidément, j'y arrive pas. Voilà, c'est toujours quand je dis que j'y arrive pas que j'y arrive. Donc on continue de monter. J'ai l'air bien eu. Ah, il y a une porte. Ok. Et du coup, le coffre. Et... Et des ressources. C'est plutôt pas mal. Ça servait pas à grand chose au niveau de l'histoire, là encore. Mais... on était à côté, donc... Il n'y avait pas de raison de se priver. Mais du coup, on va quand même essayer de faire avancer cette histoire. Hein. Et l'idée, ça serait Hawkesbury. Il me manque encore un coffre rare à Hawkesbury. Ah, j'en ai oublié deux là. En plus, j'en ai quand même laissé. Attends, puis c'est pas grave. C'est pas grave. On n'est pas là pour faire le 100%. Du coup, on va prendre un petit peu d'avance. Qu'est-ce qu'il nous faut? Un diamant, feuille d'or rose. Il nous faudrait 3 feuilles d'or rose. Feuille d'or rose, il faut des lingots d'or. Il faudra un moment que je retourne affronter le dragon d'or. Je veux voyager, je veux aller à Hawkesbury. Et on va gérer. On y est presque. Voilà, ça en fait une, tranquillement. C'est suffisant. On va donc aller à Hawkesbury. Je crois que j'ai vu ce qui nous manque. J'ai cru voir un coffre tout en haut. Vraiment tout en haut de ce côté là. Raté, raté, raté. Hop. Donc, on saute. On va là.
se pose ici. On va là. On se pose ici. Et on va là, on se pose là. Il y a bien un coffre qu'on a ouvert par là. Je vais me laisser tomber doucement. Du coup, je vais même pas attraper la... Hop. Ici, il y a aussi un coffre qu'on avait attrapé. Ici, on doit les laisser tranquilles. Ça me va. Ça, ça paraît une bonne piste par contre. Se laisser. Ouf. Ici, on est bon. On peut monter jusque là. On peut ressortir ici. Je sais pas si ça sert à quelque chose. On peut aller là. Je suis où? Je suis toujours sur la rampe. Et ici, salut l'ami! Ok, donc rien de fantastique et pas de coffre à porter. Je peux sortir ici et atterrir là. Ce qui m'avance. Pas des masses. Et il n'y a plus rien par là. Ok. Ici, on a déjà pris le coffre. Et ici, il y a une route vers une meilleure journée. Ok. Ouais. Ici, il n'y a rien pour monter. Si, là. Ah, le coffre est là. On l'a déjà pris. Le coffre est là, on l'a déjà pris. Si vous voyez où est le coffre qui nous manque, hein, allez-y, parce que moi, je ne vois pas. Je crois me souvenir d'un coffre derrière une fenêtre, mais... Ah oui, forcément, les gens sont pas contents parce qu'on est dans leur maison. Et non, il n'y a pas de coffre. Je viens d'aller dans cet appartement. Ah oui. Monsieur a eu un rendez-vous. Il s'est embrassé. Et ça l'a gêné qu'il y avait... qu'elle était déjà mariée. Salut! Sachant qu'on n'oublie pas... Ah, il est là le coffre. Il faut qu'on aille dedans. À plus tard! Et dedans, il n'y a pas vraiment moyen de monter là. Ah, il fallait tout simplement sauter un bon coup.
Je me fais un peu trop avoir, hein, d'habitude. Les temps étaient durs, on ne vend plus de limonade. C'était difficile. J'ai contacté une grosse dette pour payer tous ces citrons. Et si personne ne les veut, je n'ai vraiment aucune chance. J'ai compris. Nous entrons dans une nouvelle ère. C'est l'avènement du jus de tomate. Même principe, frais, pressé, rafraîchissant. Si tu n'es pas occupé, est-ce que tu pourrais faire une course pour moi? Un messager attend chez Boncompte et compagnie. J'ai eu un bon prix sur les tomates et je ne peux pas rater cette occasion. Ça en vaudra la peine. Le même prix que la dernière fois. C'est bon? C'est bon? Bah oui. On cherche quand même l'ami de Buck à Hawksbury. Hein. Normalement, on est au bon endroit. Faut juste réussir à trouver la bonne personne au bon endroit. Je peux continuer à monter par là. Je suis déjà monté par là. J'ai déjà parlé à cette personne. Alors, comment on descend? Ben, on va essayer d'être méthodique. On repart dans ce sens-là. Et c'est parti. Ne t'approche de moi. J'ai une rare maladie, je déteste quand les gens me parlent. Mais moi-même, j'aime parler. J'invente parfois des mots, comme Burkani, comme Mouettazio, comme Grenounou. Le dernier, c'est juste un bout de mot, grenouille. Tu piges? J'ai une imagination sauvage et tu ne peux pas m'arrêter. J'ai été fatiguée toute ma vie. Je ne veux jamais quitter cette maison. As-tu entendu le mot juste? C'est spectaculaire, c'est ça le mot. À bientôt. Ouais. Alors je veux bien parler à tout le monde, mais ça va peut-être long. As-tu vu cet homme? Oh mon Dieu, j'ai oublié la photo à la maison. Laisse-moi te le décrire. Il a des cheveux, il a un visage rond, ses yeux sont verts, attends, brun peut-être. Je suis pas sûre de ses yeux. Je t'aurais bien dit de m'appeler si tu le croisais, mais sans cette photo, c'est presque impossible. Je trouverais pas de sitôt mon frère avec cette attitude. Désolée pour le dérangement. Salut l'ami! Donc lui, c'est celui avec ses citrons. Tous ceux-là ne veulent pas nous parler. Est-ce qu'on a des choses à vendre? Je pense pas. Est-ce qu'on a des choses à acheter? Je pense pas non plus. C'est la première fois que quelque chose comme ça m'arrive. Aujourd'hui, je crois que je vais acheter du maïs pour le dessert. Pourquoi pas? Je sens que j'ai perdu le contrôle. Bon. Ah, enfin! Non, je ne m'inclinerai pas devant toi. Je sais qui tu es, malgré que je respecte ta réputation. Je suis Elperine, rôdeur de la septième lune. Et les rôdeurs de la septième lune ne s'inclinent plus. En tant que chef de la glorieuse compagnie d'argent, je vais encore tenir les rênes de la croisade. Mais une certaine préparation doit être faite. Et puis ensuite, oui, j'enfourcherai mon noble destrier et je me joindrai à vous. Allez, que se réunissent les camarades. Le temps est venu et l'aventure s'impose encore une fois. Donc on a trouvé notre rôdeur de la septième lune. Enfin, parmi tous ces anonymes dans... dans cette ville gigantesque. Et en plus, on a gagné une quête pour aller à Boncompte et compagnie, qui était une de nos prochaines directions. Donc c'est tout bénef. Mais je dois bien avouer que ça a été long de le trouver, hein. Mais du coup, on va pouvoir mettre doucement le cap sur Boncompte et compagnie. Et on a récupéré tous les coffres de Hawksbury, donc on est super content. On va peut-être pouvoir aller à Overbrook, redonner, revoir notre copain Jackie.
Mais moi, j'irai bien ici. Puisque c'est sur notre route. Hummingberg. C'est pas ici, pas tout à fait. Et pour l'instant, niveau fraise, on n'est toujours pas avec le compte. Mais on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à tous. Bye bye.